Ministre Affaires sociales et travail là Victor Benoît organisé une rencontre jeudi mercredi à dans ministère avec plusieurs directeurs directrices organismes autonomes avec des concentrés qui en bas contrôle ministère dans objectif pour valider en feuille de route sous nouvelle politique sociale qui pral appliquer dans pays là. C'est quatre ministères qui préparé document ça qui gain là-dedans le 20 mai dans cadre d'une retraite yoté réalisé dans club Indigo sorti 20 pour arriver 22 mars passé là. C'était occasion pour ministre Affaires sociales là dresser bilan activité li réalisé depuis le dans tête ministère. Ministre Affaires sociales là, Victor Benoît, dans le micro Rénal Guerrier avec Mackinson Paul. Pour exprimer clairement ma préoccupation, c'est-à-dire le besoin d'une cohérence des politiques au niveau de l'État haïtien. En effet, de l'état actuel des choses, il s'agit pour compatriotes haïtiens d'adopter une approche pragmatique, réaliste du pouvoir. Ceci veut dire arriver à faire une alliance entre une vision précise de la justice sociale et une stratégie d'apaisement social. C'est un véritable défi. Mais nous devons nous colter à cette tâche. Arriver à la tête de ce ministère dans un contexte électoral assez particulier, mon intention est d'y insuffler une nouvelle dynamique. Dans une perspective de rationalisation de la gestion des ressources faibles, mais pour plus d'efficacité à court, à moyen et à long terme. À l'occasion de cette séance de validation, permettez que j'attire votre attention sur certaines initiatives prises depuis mon installation ici. À la suite de plusieurs consultations et séances de travail sur la feuille de route, un atelier de réflexion sur sa mise en œuvre a été organisé avec les cadres supérieurs. Ces derniers ont réfléchi de manière collective et formulé de pertinentes propositions sur les meilleures manières d'atteindre les objectifs inscrits dans cette feuille de route. Cette feuille, c'est le produit d'un travail collectif. Elle comporte 20 mesures et elle est organisée autour de deux axes stratégiques. Le premier axe que nous appelons action structurante. Ces actions adressent des problèmes sociaux d'ordre structurel profond qui ravage notre société. Donc la solution de ces problèmes s'inscrit dans le long terme.